Mes chers amis, bienvenue dans le premier épisode de Rinté, l'émission où tu dois prendre le rinté de ton adversaire. Rien de mieux que d'avoir des beaux invités comme ma préférée, Laura Felpin. Tu vois ce que je veux dire? On commence par Laura Felpin, qui vient de Toulouse, on est ensemble. C'est horrible. T'as dit ma préférée, Laura Felpin, mais je suis à côté. Bah ouais, mais t'es ma deuxième préférée, wow. Géraldine Nakache. Géraldine Nakache, là-tu. Je sais pas, des fois, il y a des choix comme ça, et ça se fait. Je veux bien, je veux bien le choix, mais pas ça se fait. Bah, je suis fortement désolé, ça se fait peut-être parce que je connais Laura depuis assez longtemps. Pour commencer, 10 points de compensation parce qu'on se connaît depuis à peu près 10 ans. Ouais. Tout est dégueulasse, donc c'est vrai, ouais. Je te dis rien. I'm sorry. Il y a du favoritisme. Tu m'en veux à ce point, GG. Mais c'est ça la société, la vie, Géraldine. Accroche-toi un petit peu, équipe-toi quand même. D'ailleurs, je vous ai même pas demandé, Géraldine, qu'est-ce que tu veux mettre derrière toi comme terrain? Je sais pas, ta photo du coup, je veux mettre ta photo derrière moi. Super. Tu m'adores. La photo de Williams. Merci. Voilà, c'est parfait. Et toi, Laura, qu'est-ce que tu veux mettre comme fond derrière? J'aimerais bien mettre une petite couronne comme ça. Une couronne de préféré, c'est réglé. Ok, on y va. Citez-moi. Si vous voulez, je m'en vais. C'est quoi, j'ai envie d'échanger? Tu as la couronne GG et tu vas te taper ma tête. C'est bon, t'es ma préférée. Première question, mes chers amis, dans Rinté, pour 10% de Rinté, qu'est-ce que veut dire LOL? Nothing out loud. J'aurais dit lots of loud. C'est vraiment nothing out loud, pas lot of loud. Lots of loud. Elle a dit avec l'accent de... Il a dit, c'est vraiment. C'est vraiment dommage. Ça aurait pu être League of Legends. Ma préférée, je lui ai dit 2 points. Qui a gagné la première saison de LOL? Alexandre. À égalité avec Julien Cerruti. Ah ouais, d'accord. Non. Ouais, c'est totalement non, c'est ça. Complètement si, c'est totalement ça. Non, c'est les deux. C'est Julien Cerruti et Alexandra Lamy. Ça fait déjà. C'est totalement ça. Non, désolé, je vais insister sur les mots. Allez. Citez-moi 3 personnes qui ont participé à la flamme. Gérard Darmon, Gérard Darmon, Leïla Bekti et Adèle Exarchopoulos. Ok, vas-y, on va te prendre 10%, on va te laisser 10%, ok, pas de problème. Quelle ville africaine accueille un festival d'humour? Marrakech. Marrakech, c'est totalement ça, le Marrakech. J'allais dire autre chose, mais ouais, mais parce que Jérémy Ferrari fait un festival aussi en Afrique. Ah ouais? Je sais plus dans quelle ville, ouais. Ok, ah ouais. Je savais pas. Ouais. On va vérifier. Renseignez-vous. Je te donne quand même 5% dans le doute. Ouais. Ah, ma préférée, j'adore ça. Dans quelle lettre de l'alphabet jouent Eric et Ramzy? Dans H. Ouais. Oh, mais t'es plus là, ouais. T'es allé trop vite. Ouais, non, ouais. Pardon, excusez-moi, j'ai fait une micro. C'était totalement H. Ouais, ça va aller, t'inquiète. Excusez-moi, question vraiment assez personnelle. Quel est le vrai prénom de Panayotis? Panayotis. C'est son vrai prénom? Ouais, c'est son vrai prénom. Panayotis. Ah ouais? Une bande de stand-up. Ouais. Enfin, quels sont le nom des équipes au Burger Quiz? Mayo et ketchup. Oh, mais vas-y, tu vas trop vite. Là, moi, je serais... Bah ouais, mais il faut aller rapidement, les mecs. Je m'endors un petit peu, donc... Oh, là, ça devient non, plus d'après pas, pas, pas pour toi, pas rien à voir. J'étais avec ma glam team, là, donc... Qui a créé Télémagouille? On en a plein les fouilles, les inconnus. Bah ouais, mais je suis désolée, je suis née dans les années... Oh, la violence, d'un coup, j'ai pas vraiment... C'est vrai. C'est ça. Citez-moi 2 films de Philippe Lachaud. Alibi. C'est bon, j'ai. Ah ouais, j'ai. Alibi 1, Alibi 2. Non, elle a gagné. Et voilà, et le mariage de mon meilleur ami et tout. Ouais. De mon meilleur copain. Wow, Alibi 1, Alibi 2, il y a tout. Ouais, si. Non, pour moi, il y a tout. C'est réglé, mais je pense que pour moi, on est serré. Mais il y a tout, mais c'est malhonnête. On est totalement serré, là, 70 trans. C'est-à-dire? Mais non, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends plus rien dans ces calculs. Non, alors attendez, là, par contre, c'est pas que je suis mauvaise joueuse, c'est que là, il y a une règle quand même. C'est quoi, regarde, finissez ma phrase. Ouais. Vivre dans un donjon, c'est difficile pour une fille. Et ça c'est Gad. Ça c'est Gad pour le coup. Vivre dans un donjon. Ouais, je l'ai. Bon, je pense que là, je te donne 30% de terrain. Mais c'est quoi pour vous départager? Ouais. On va faire un ping-pong. Chacun votre tour, vous devez donner le plus rapidement un nom de comedy club. Top. Madame Serfassi. Bah, le Paname. Le Barbès Comedy Club. Le Jamel Comedy Club. Le Kings Comedy Club. Non, bah ça y est, stop, après je connais pas. Bah ouais, bah je suis désolée. Du coup, fortement, c'est perdu. C'est perdu pour Géraldine, bravo. Mais c'est... Bah, attendez, les gars. Bravo à Laura, c'est son métier. Elle l'est fait toutes les semaines. Cite-moi, vas-y, cite-moi un film de Romère. Mais non, cite-moi des salles de cinéma, l'UGC Ciné, c'était Léal. MK de Beaubourg. Allez, Pâté Bastille. MK2 Bercy. Ouais, ça marche. Enfin, CGR Nantes. UGC Bercy. UGC Cours Saint-Émilion. Oh, il est beau celui-là, il est beau. Eh ben, je te dirai le cinéma Christine. Eh ben, le...